Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en visite sur le chantier d'adduction en eau potable à Baunois. Le chef du gouvernement ivoirien était accompagné par le ministre des Infrastructures économiques Patrick Hachi. Les travaux se déroulent en deux phases et cette station de traitement d'eau devrait aider à mettre un terme définitif au problème de pénurie d'eau rencontré par les populations, a rassuré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Demain, samedi 8 mars, sera célébrée la Journée internationale de la femme. Thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire, les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce soir, vous aurez la déclaration du gouvernement lue par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Hors de la Côte d'Ivoire, l'ex-milicien congolais Germain Katanga est reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité devant la CPI. La Cour pénale internationale a rendu son jugement aujourd'hui et Germain Katanga, coupable de complicité de crimes commis le 24 février 2003, attend désormais sa sentence. Il encourt 30 années d'emprisonnement. Ce vendredi 7 mars, le Rwanda a commémoré le 20e anniversaire du génocide de 1994. Plus de 800 000 Tutsis, Rwandais et Hutus modérés ont été tués dans le génocide de 1994. Les autorités ont décrété 100 jours de deuil national. Les choses s'accélèrent pour l'envoi des casques bleus en Centrafrique. Le Conseil de sécurité a examiné pour la première fois les détails de cette mission de maintien de la paix. Et si le test n'est pas encore voté, sachez que le principe est désormais acquis. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, propose 12 000 hommes, mais plusieurs pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni s'inquiètent du coût de cette opération. Le 16 mars prochain, les électeurs de Crimée devront choisir par référendum s'ils souhaitent un rattachement à la Russie ou bien une autonomie nettement renforcée au sein de l'Ukraine. Sachez que hier, le Parlement régional de Crimée a voté son rattachement à la Russie, décision mal accueillie par les Occidentaux qui maintiennent la pression sur Moscou. Le rouleau compresseur russe continue sa progression en Crimée. Une nouvelle étape a été franchie jeudi vers la partition de l'Ukraine. Le Parlement de Crimée, la péninsule russophone, a approuvé hier, sans l'accord de Kiev, la tenue d'un référendum le 16 mars prochain. Les habitants de Crimée devront choisir entre le rattachement à la Russie ou une autonomie nettement renforcée. Le Conseil suprême de la République autonome de Crimée a voté en faveur d'un rattachement à la Fédération de Russie. Je suis certain que le 16 mars, le référendum approuvera la décision du Conseil et que les citoyens nous soutiendront. À Simferopol, devant le Parlement, les manifestants pro-russes ne cachent pas leur satisfaction et leur colère contre le pouvoir ukrainien. On aurait dû faire ça depuis longtemps, parce qu'ils nous oppriment avec leur langue ukrainienne et leurs lois scandaleuses. Tout cela nous a humiliés, nous les Russes. À Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, le conseil municipal a même voté dès jeudi en faveur du rattachement immédiat à la Russie. Et selon un scénario déjà écrit, le Parlement russe a donné le lendemain son feu vert aux autorités autoproclamées de Crimée. Mais si ce référendum répond au sentiment de frustration des russophones, il est aussi dénoncé par la minorité musulmane tatare, qui représente 12% des habitants de Crimée. La communauté, persécutée et déportée sous Staline, appelle au boycott. Le Mejlis des Tatars de Crimée ne reconnaît pas ce référendum. Par conséquent, le Mejlis appelle tous les habitants de Crimée, quelle que soit leur origine, à boycotter toutes les étapes du processus, ainsi que le vote le jour du référendum. Le président américain a averti qu'un référendum en Crimée violerait le droit international. Barack Obama a également signé un décret permettant le gel d'avoirs de responsables russes et ukrainiens.
Murray Lahoury au 15e championnat du monde d'athlétisme en salle en Pologne. L'Ivoirienne démarre la série des 60 mètres demain samedi 8 mars. Et sachez que c'est la première fois que la Pologne accueille cet événement sportif co-organisé par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et la Fédération polonaise d'athlétisme. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition.